Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtent à se dire oui le 19 mai prochain. Les milliers d'invitations pour cette journée historique ont été envoyées. Découvrez qui sera invité et quel est le déroulement de cette journée. Un texte noir sur du papier blanc, surmonté du blason doré du prince de Galles composé d'une couronne qui enserre trois plumes d'autruche. Voilà ce que vous recevrez si vous êtes convié au mariage de Meghan Markle et du prince Harry, le 19 mai prochain. Les invitations au mariage du prince Harry et de Ms Meghan Markle ont été lancées au nom de Son Altesse Royale le prince de Galles, a précisé Kensington dans un communiqué. Ce 22 mars, les milliers d'invitations ont été expédiées. Toutes les enveloppes n'invitent pas au même rendez-vous. L'arrivée du couple à la chapelle, pas moins de 640 personnes ont été invitées au parc du château de Windsor pour assister à la procession en calèche et à leur départ du château. Il y aura 1200 membres du public invités dans tout le Royaume-Uni. 200 membres d'organisations caritatives seront présents ainsi que 610 invités issus de la communauté locale de Windsor. Enfin, une centaine d'élèves et 530 membres de la famille royale compléteront la liste. La cérémonie et le déjeuner lors de la cérémonie du mariage, qui se déroulera à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, 600 personnes seront présentes. Tout comme au déjeuner où les invités ont été triés sur le volet. La cérémonie va durer une heure et débutera à midi. La réception du soir, Meghan Markle et le prince Harry recevront lors d'une soirée donnée le soir par le prince Charles dans le manoir de Frogmore House seulement 200 invités. Seuls les proches, très proches, du couple y assisteront. Le moment pour eux de toucher du doigt un mariage presque normal. I think you got